Bonjour, bonsoir. Et comment nous y? Et je dis à moi, je voulais décortiquer avec nous, causer, visa bulletin. Nous avons parlé de ça dans nos lives. Et il y a un peu de monde qui t'a voulu comprendre, causer visa bulletin. Puis bien, lundi visa bulletin, chaque mois, ils ont publié un visa bulletin qui permet de voir est-ce que vous-même, ils sont arrivés sous. Est-ce que vous-même visa la disponible? En dit première démarche, lorsque une famille de bayon, on l'autre famille de résidence, est capable, madame, petite, maman, papa, frère, c'est une forme qui est I-wanted, ou remplie. C'est première démarche là. I-wanted, c'est pas la résidence là. C'est une demande ou fait sous base pour prouver que moun sa a une relation familiale avec vous. Vous avez tout document pour prouver que moun sa c'est maman ou bien que. C'est mari ou bien madame, c'est petit tout. Normalement, il n'y a pas prouvé à Wonder Dia. C'est premier démarche là. Mais qui j'aime pour gagner résidence là? Pour gagner résidence là, il y a deux possibilités. Peut-être soit aux États-Unis, il y a une démarche, soit en Haïti ou bien non, à pays, en fait, soit à l'étranger, il y a une autre démarche. Ok. On nous dit qu'une famille fait une application pour vous et puis, il y a Wonder Dia. Il est approuvé. Il est content, m'approuvé. Ok. Maintenant, on va approuver. Question à poser était tout, qui suite nécessaire, qui ça nous va le faire? Leur approuvé sous Haïti, en fait, même si on prend Haïti, même si on va dire sous Saint-Domingue tout, vous voyez dossier là, vous voyez dossier là, depuis c'est à l'étranger, dans l'autre pays, ok? Soit Haïti ou bien Saint-Domingue, USCIS pas qu'un dossier, vous voyez le National Visa Center. National Visa Center, Campbell. National Visa Center, job pal ki sa li. Se kompile tout dokumen ke ou bay pou l kapap voye l ambasade Haiti ou bien Saint-Domingue. Men National Visa se kembe yo, lap ton, le vizor la disponib. Si vizor la disponib, apon an tan joul kaye ko pou di, visa sa apre yo? Li di, degaj yo, vin peye l pou fè res prosesus la. Ok? Li dou visa apre. Pou peye l. E pi pou rempli visa pou... Tout bay sa ou se online. E gen de seri de moun, lor fè aplikasyon pou yo, visa yo pa disponib imediatman. E fò nou kompren sa. Metan, an retire ki moun ki pa bezwen vizabilite, pasi sa important pou kompren bay sa. E maman ak papa yon yon sitizen pa nan koze vizabilite. Piske dapre la lwa, depi kez yo apou, visa a disponib imediatman. Ve di ki sa, moun sa, depi la apou, rapide, yo pa pou fò retan pou al tan visa disponib ou kapab si se Haiti, wap degaje ou pou fè tout sa konen nan NVC pou. Si se isi tou, menm kote a, fè isi tou an lot fason, wap degaje ou wani kal fè adjustment status. Donk, maman, papa, menm jan mari, madam, yo e citizen tou, visa moun sa yo, yo otomatikman disponib. Yo pa gen pou yal suiv visa bulte. Nou kapab di tou, kom deni kategori, pitit yo e citizen ki an ba 21. Donk, gen 3 goup moun. Qui pas dans cause visibilité puisque m'a répondu pour maman papa US citizen mari madame US citizen et puis petit US citizen qui en bas 21 ans trois groupes moun sa yo pa gen pou yo dans consulter visibilité puisque yo même littéralement vrai si moun sa aux États-Unis li gen droit ni voye tout package li ensemble si aux États-Unis li tout voye I wonder li li tout voye à résidence parce qu'il est disponible si la Haïti même côté la pour là même côté alka contacter NVC et pour le faire reste des machins, puisque visa est toujours disponible lui-même. Donc, il n'y a pas de cause de visabilité. Quel groupe de monde qui n'a causé visabilité? C'est la loi qui dit, c'est pas non. La loi a dit, pour qui ça vous mettez barrière ça tout? C'est le fait que vous devez limiter la quantité de monde qui a débarqué aux États-Unis. Donc, il y a des groupes de monde qui dit qu'on va aller temps pour prendre avant pour visa disponible. Et tant ça dépend de bon facteur, suivant pays, ça qui va les monde qui fait pétition, il prend plus de temps, il prend moins de temps. Qui monde ça? Nous sommes capables, beaucoup de US citizens, nous sommes capables de dire, petit US citizen qui a plus que 21 ans. Ok? Petit US citizen qui est marié, et nous sommes capables de dire, frère avec ces US citizens. Beaucoup de permanent résident, nous sommes capables de dire, petit permanent résident qui a plus que 21 ans. Nous sommes capables de dire, tout mari avec madame permanent résident, mais, ou bien, petit permanent résident en bas 21 ans. Nous sommes capables de dire, but, la vérité ces derniers jours, attendez bien ça, Mabdoula, ces derniers jours, tout le monde est capable de constater le rôle dans le visa bulletin. Mari avec madame permanent résident, c'est presque tant que citizen. Peut-être que ça, visa est toujours disponible, toujours current. Le rôle gardé dans le visa bulletin.
et du mettons 5 qui dit 15. Qui ne fait que nous parle avec vous là, pas oublier, je parle avec vous là, li, août 2023. Ma mari avec madame permanent résident, petite permanent résident qui m'a 21 ans, moi bien dit, yo pratiquement dans la même situation avec mari, madame, permanent résident, parce que peut-être qui ça, eh bien, là où elle consulte la visibilité, on sait. Ok, on a les gars, pour nous comprendre plus bien cause visibilité. Donc, nous avons qui groupe moun qui a checké visibilité. Nous avons répondu pour vous encore. Petit US citizen qui a plus que 21 ans, petit US citizen qui est marié, frère US citizen, beaucoup de permanents résidents, c'est petit permanent résident qui a plus que 21 ans. Normalement, mari avec madame permanent résident, petit comme 21 ans, dit normalement, il est supposé à suivre visibilité tout. Mais chance pour yo ces derniers jours, même les sur visa bulletin, bagala bon pour yo puisque il est toujours disponible. Mais on a regardé, par exemple, visa bulletin qui sorti pour, en fait, pour mois d'août, pour qu'à comprendre bien. Moi, je parle sous écran avec pour qu'à comprendre ça, m'a dit là. Et on a, parce que l'aime sous écran, parce que vous publiez chaque mois, vous capable de regarder. Ok, guys, on a ma fait un petit zoom pour qu'à paraître plus gros, qu'on s'en a pas comprendre, causer à bien. Ça fait n'a parler de ça, c'est à cause de bagaille réunification en pile monde pensait que yo la donne ou depuis visa disponible ou pas la donne. C'est pour monde visa ou pas disponible. Bon bonne littérature y a fait là. Et ou pour que regardez bien. Ou qui moun yo mette family sponsor préférence, mais catégorie moun que yo mette et yo bay on let tout. Et c'est ça pour commencer à comprendre. Yo rele F1. F1 yo dit unmarried son and daughter of US citizen. OK? Là on dit on married son, généralement yo parlo de ouais, yo pa dit child. Depuis yo dit child, c'est et child c'est ti moun ki an bas 21 ans. C'est concept ça utilisé le plus souvent, OK? Yo dit on married son and daughter of your citizen, so c'est ça rele F1. OK? Donc généralement yo gen plus que 21 ans. F2A, il dit spouse, children of permanent resident. Ok? Ça veut dire spouse, veut dire ma ou bien madame, permanent resident. Et si moun permanent resident qui en bas 21. Ouais, vous mettez là parce que, effectivement, vous même, vous n'en causez visa. Mais j'en même oublié à ces derniers jours, le wal nan visa, puis fort résultat, vous mettez un C. Ça veut dire current, il veut dire que le toujours disponible pour vous. Ok? Mais ça va veut dire que vous faut toujours aller checker visa bulletin pour vous. F2BA, ouais, encore, il vient à unmarried son and daughter of permanent resident. Il dit petit permanent resident qui gagne plus que 21 ans. Ouais, j'ai catégorisé. Et puis, il parlait de married son daughter of US citizen. Il avait dit petit US citizen qui marié. Il y a le F3 et F4, c'est brother and sister. Donc, il parlait de frère accès de US citizen. En d'autres termes, nous capable de dire 1, 2, 3, 4, 5 groupes. 5 groupes. Et ça va permettre que nous allons un tableau et tableau à chaque mois il une date. Par exemple, là nous regardons F1. De qui est-ce qu'il a parlé là? F1 il a parlé de unmarried son daughter of US citizen. F1 veut dire que petite, attendez bien, et US citizen qui gagne plus que 21 ans. Actuellement, bon, nous pas la Chine, nous pas India, nous pas Mexico. Actuellement, il dit yo nan bon fait pour nous, yo nan janvier 2015, ça veut dire. On a dit ou même capitaine de m'la, ou c'est un petit US citizen qui gagne plus que 21 ans. Donc, si vous avez fait application pour vous, on dit 1er janvier 2015, ou la donne. Mais si vous 2-3 janvier, février 2015, vous pouvez arriver sur ou capitaine mars 2015, vous pouvez arriver sur. Donc, moun qui était en 2014, moun sa yo se dégage yo, al gade, parce que c'est fort avant date là. Tout moun qui avant date ça, date yo arrivé déjà. Maintenant, ou yon mette catégorie, ou mette FDA tout. Des fois, même problème qui vont gagner. Gide moun ki di ki tableau pou m'gade. Est-ce que c'est final action? Ou bien est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on gagne trouble là. Est-ce que c'est final action? Ou de tableau? Est-ce que c'est date là? Ces derniers jours, majorité kezio c'est date là nan gade. Parce que, et soit sous c'est du SIASA, l'abdi ou qui est dans de tableau ça ou vous utilisez. Et là, on va checker, par exemple, si mal checker dans tableau, qui sous USCIS. Mwa la dan pouwe. Ou apwe que, bon fèl vin pi go, le plus souvent c'est date, mais ça kache. Ou al tout check yo. Ou gomwen, ou apwe di, current month adjustment of status. For family sponsor, bon fèl pi go pou nou, pou nou kapab wè sa map di ya. Parce que même le plus souvent c'est date, la m toujou ale, men fò kache ou check yo. Pour ou yo di c'est date, for financial. Ok, c'est date. Ça veut dire pour family c'est date. Ça veut dire qui ça?
n'a pas tourné là. Nous pas parler dans premier tableau qui a parlé et qui a parlé de final action, mais nous parler dans date là. Donc en d'autres termes, ça nous va utiliser là pour petite US citizen qui a besoin de rien, yo en 2007. Au lieu pour nous dire yo en 2015, et mais yo gain temps en 2017. OK? So yo gain temps en 2017. Vous comprenez ça veut dire? So ou même qui c'est petit US citizen qui a besoin de 21 ans, si vous avez fait une application pour en 2018, yo beaucoup arriver sous. Si vous avez fait en 2019, vous pouvez arriver sous. En 2020, vous pouvez arriver sous. Donc actuellement, vous êtes en septembre 2017. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez fait en 2016 pour. Et vous sous. Maintenant, ça qui est important dans le tableau. Ça. Imaginez un monde, vous faites une application pour lui 2016. Il ne pas jamais contacté. 2015. Vous êtes en 2017. Ou même, vous dites, oh, vous n'avez pas voyé écrit. Ça qui est arrivé. Et qui m'a dit ça là. Vous n'avez pas eu update email ou whatever. Et puis. Depuis 2015, ce qu'on est passé, les dates arrivées, les gens ne sont pas en train d'entendre. La cancel, les amis, c'est job pour vous suivre. C'est là que vous avez dit. C'est job pour vous suivre les visas disponibles. Et ça, quand vous avez dit, oh, moi, depuis la date, vous avez pour moi, bah là, pour vous, c'est oui, les amis, la date arrivée, vous n'avez pas dégagé pour contacter à NVC et pour faire ce travail-là. Mais ça qui passé. Ça qu'on est passé, NVC a cancel. La boue est tournée dans le département d'État. Vous comprenez? Donc, c'est job pour suivre. Mais ça ne m'a pas parlé. FDA, c'est lui-même qui marie avec madame permanent résident. Ou bien encore, petite permanent résident qui est là. Oui, vous mettez C. Il est carré actuellement. Ça t'a dit, les gens, même côté, vous faites la visa, vous n'avez pas de date pour vous. Vous mettez C. Carré. Donc, vous êtes un permanent US citizen. Et qui est marié avec madame. Là, je parle de FDA. Pas oublier FDA nous dit c'est mari, madame, permanent résident, petite permanent résident en bas 21 ans. C'est peut-être ça, non, là, je vais essayer d'expliquer. Vous me dites, écoute, si vous voyez que permanent résident en visibilité, mais ces derniers jours, c'est sérieux pour vous. Donc, libre de visa est toujours disponible. Donc, si visa est disponible, vous comprenez? Depuis visa est disponible, ou pas dans family unification, c'est ça qui écrit. Family unification, c'est pour le monde que visa est pourquoi disponible. Depuis visa pour qu'on disponible ou cage une invitation. Mais imaginez un monde qui finit payer visa déjà et puis il dit le voilà dans famille ou il gagne espoir, il paye visa, non seulement visa disponible, il peut même payer lui-même toute bagarre et puis il gagne espoir que le voilà. Un document clair sur ça amis pas. Clair, pas de mentir dans ça, il dit que c'est monde que visa ou pour qu'on disponible. Donc à comprendre peut-être qui ça tout, il pas tape juste. Si visa disponible pour finir payer toute bagarre, c'est pas de problème là comme ça ou tu quand entrer ouais c'est. Son problème qui gagne. Donc yo pa ka fè un programme pour moun ki pa gen problème. On comprend que crise la vin fò gen problème, mais normalement pas supposé gen problème. C'est ça m'a fait expliquer là. Donc son bagay yo fè pour moun nan ki poko gen visa l'entrée ici li vin tan résidence li. Est-ce que vous comprenez? Ou même nan ka pa là, visa disponible si pa gen crise et toute qualité crise backlog ou bien Haïti bloqué mélange avec processus pour là c'est pas d'ap ou t'ap gen t'avenir ici donc c'est ça fait logique programme là il pas jamais logique pour que moun nan qui gen visa disponible déjà qui rete pour le payer simplement pour le faire démarche son logique de dépanner c'est comme quoi si yo kite le comme ça yo pas t'ap dépanner vrai bien que moi me conscient que il y a gon crise dans moun visa disponible yo m'pa konnen et administration capable font gens pour dire bon qui ça m'ka faire pour moun ça yo OK. Il y a grand crise. OK. Donc mais toute catégorie là gars, sont capable par exemple là, ou après F4 qui c'est frais avec ses US citizen yo en mars 2008. Yo en mars 2008, si yo te font application 2010 pour yo poko. Yo te font application 2009, pas parler frais avec ses yo poko pour. OK, yo en mars 2008. F3 monsieur man, c'est qui est encore? F3 c'est même regarder ça F3. F3 c'est OK, c'est married son and daughter. OK. So ça qui marié petit tu es c'est qui marié, yo nan yo nan 2010. 2010 n'est pas 13 ans, guys, peut-être chargé. So ça lui même c'est petit permanent résident qui gagne plus que 21 ans et presque même date, yo en 2017, janvier 2017. Donc on dit à peu près approximativement 5 ans. 5 ans et plus presque 6 ans. Parce qu'il y a 5 ans avec plusieurs mois. Si on en janvier 2017, ça t'a voulu dire qui ça t'a voulu dire ou en août, OK? Donc c'est 5 ans avec plusieurs mois oui, là. Et presque 6 ans. M'a parlé de petit permanent résident qui gagne plus que 21 ans. Yo en janvier 2017. Si yo te font application pour en 2018, yo poko sou
Si vous avez fait li, ça fait chaque mois sorti. Donc vous avez bien pour consulter, pour connaître les arrivés sous. Depuis vous arrivez sous, ça va faire. Si vous avez en Haïti, vous avez dégagé, vous contactez NVC pour le capable de faire case number, inverse number. Si c'est ici tout, eh bien, vous avez dégagé là pour voir l'application qui serait le adjustment of status. La. Si c'est ici, mais si c'est ici là, tout est important. Est-ce que vous avez légal ici tout? Parce que des fois, lorsque vous avez illégal ici, vous n'êtes pas capable de faire une résidence. Ça, c'est l'autre facteur. Ça, c'est l'autre facteur pour certains monde et si tout pour relatif de permanent résident. Lorsque vous avez illégal ici, vous avez le but. Pour relatif US citizen, ça, c'est l'autre histoire. Si tout pour immédiat relatif, je parle de mari, madame, maman, papa, même les illégal ici, la cabale résidence. Nous avons une différence. So, donc voilà, guys, je souhaite que nous comprenions tout ça dit dans la cause de visa bulletin. Donc, l'important, ou même qui n'a visa bulletin, pour suivre chaque mois. Par rapport à la qui date, gen, et puis garder le coup arrivé sous, débouler un NVC, dégager, NVC pas prendre téléphone, mais le bon website qui est le public inquiry, ou dit, ah, d'accord, arrivé, il a m'a remis un case number avec une voice number, mon frère, etc. Voilà. Si c'est ici, tout y est, on va même besoin d'aller à l'NVC. Et vous avez juste cherché quoi vous remplir forme ça qui est I-485 adjustment là qui toujours accompagné de un ensemble de documents et puis vous voyez le by USCIS. Ok, donc c'est en ça visa bulletin. Donc même monde qui t'a entré par exemple en date du monde qui est entré dans family reunification là vous avez bien pour ce visa bulletin tout parce que y aura trop visa beaucoup disponible y aura trop généralement depuis visa là manque 3 ans et demi ou moins pour disponible pour qu'à recevoir invitation. Donc le rentre ici c'est job pas pour suivre visa bulletin hein? Pour visa disponible pour faire application et pas ou même cap civil pour si ou même date arrivé ou poser quoi là ou était illégal dans pays mon yo problème empêcher by tête vous comprenez. So, c'est ça vous comprendre et dans cause visa bulletin je souhaite que nous comprendre visa bulletin bien. Et moi, c'est moi qui ai un peu de monde justement qui a posé des questions. Qu'est-ce que vous avez NVC et puis visa pourquoi disponible? NVC Campbell tout simplement. Depuis là, pour vivre, il y a un NVC. Suivant catégorie, visa pourquoi disponible? C'est suivant date. Qui date? Qui famille? Même question vous êtes. Qui date? Et qui, là, je dis qui famille? Qui catégorie? Qui, est-ce que c'est mon petit? Et l'autre du petit, là, il y a plusieurs catégories. C'est immigration qui fait division. Il y a un petit qui est marié qui est dans catégorie. Petit qui gagne plus que 21 ans qui dans catégorie et puis qui statut monde qui file pour US citizen permanent résident. Donc c'est en fonction de ça vous pouvez regarder est-ce qu'on a visa bulletin et sous dans visa bulletin qui côté yoyé dans moment là. Est-ce que vous comprenez? So, je souhaite que me clarifier dossier ça une fois pour toutes et que puisque bon site là c'est limien a fait et vous capable partager information ça avec un ami, une famille. C'était un plaisir.